Coucou, je viens de finir ma création. Je suis désolée, j'ai mis beaucoup de temps, comme je suis pas bien. J'ai fini ma création et ben, ma pupusse, j'ai appelé le cabinet vétérinaire en urgence. Il me la prend demain matin à 8 h. On va se mettre à découvert, on est obligé. Je peux pas la laisser comme ça, c'est pas bon. Elle m'a déjà fait ça il y a, je crois, 2 ans. J'étais obligée de l'emmener en urgence là aussi. Donc, mon fiston, il m'a. Je sais pas si je voulais monter. Montrer. Il a mis un petit chauffage. Je vais vous faire montrer ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait ça. D'une main, évidemment. Annie, toi aussi. Excusez-moi, je vais vous mettre en espérant que le téléphone ne tombe pas. Voilà. Je voulais le mettre sur le devant, mais je me suis trompée. C'est sur le côté. Vous me direz si ça gêne pas quand même. C'est un pot en verre. Vous voyez, vous mettez comme ça. J'ai mal mis là le petit cœur. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai mal mis le petit cœur, je suis dégoûtée. Parce que là, le pot, il n'est pas fermé. Donc si la personne, elle arrive à l'enlever et à le mettre, vous voyez, tu vises ton pot en verre. Hop. Le cœur, il est sur le côté. Vous trouvez que ça peut aller quand même? Vous voyez, c'est un pot en verre. Hein. C'est un pot en verre. J'ai collé un couvercle de Nescafé. J'ai recouvert parce que j'avais fait la robe trop longue. Voilà. Ah, pour une arrière-grand-mère. Bon, bah, si elle regarde la vidéo, elle va se reconnaître. Bah, ça sera plus une surprise, hein. Voilà, avec sa petite rose. J'ai fait son petit chapeau. J'espère que vous voyez quelque chose. Je vais reposer. Vous voyez, quand c'est vissé, je peux mettre la rose. Quand c'est vissé, mince, le cœur, il est là. Et là, j'ai collé, donc je pense que. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait rien si c'est sur le côté, le cœur? Je voulais le mettre devant, vous voyez. Voilà. C'est moi. J'avais quelques perles en bois non dessinées. Avec les feutres. C'est les feutres. Ça, c'est à mon aîné. Je l'avais payé moins de 10 euros à Inter, je me rappelle. Quand tu viens ici, il a tout ce qu'il faut pour dessiner et tout. J'ai pris le feutre. J'ai fait les yeux, ses petites joues, son petit nez, sa petite bouche. Son petit chapeau. Dites sincèrement ce que vous en pensez. Hein. En tout cas, je pense que l'arrière-grand-mère, elle va être contente. Je pense. Dedans, tu sais ce que tu vas mettre? Pour pas que ta fille. Oh ben non, elle va la voir la vidéo, mince. De temps en temps, tu aimes bien manger des petits bonbons, des petits machins comme ça, là. Tu les mets dedans. Incognito, personne ne voit. Comme tu dis, de temps en temps, des petites cochonneries, comme tu dis. Ah oui, on va pas se priver non plus à 100%. Hein. Tu mets des petits bonbons là, mamie, arrière mamie. Tu vas te reconnaître vu la couleur que tu aimes. J'espère qu'elle te plaît. Et tu vois, c'est grâce à deux dames qui ont eu le cœur touché, j'ai pu faire ça. Voilà, j'espère que ça te plaira. Voilà, ça fait un support pour le pot en verre en plus, ça amortit en plus, pas que ça se casse. Personne ne peut savoir ce que tu mets dedans. Je dis pas ton nom, tu te reconnaîtras. Je vous fais des gros bisous. Ben non, demain à 8 h, faut que je sois au vétérinaire. C'est pas à côté, donc tant pis, hein. Mon fiston va être obligé de prendre le véhicule.
Je prie le Seigneur que tout se passe bien et que la somme soit pas trop énorme parce que le découvert, il peut pas plus, hein. Il se met à découvert pour moi, donc il ne pourra pas enlever plus. Donc que le Seigneur pose sa main sur le vétérinaire, qu'il ne me demande pas plus parce que je ne sais pas. Enfin, je remets ça entre les mains du Seigneur. J'en suis assez malade comme ça. Maintenant, je prends des péris là, je ne peux pas la laisser comme ça. Voilà, ma jolie pépette. Ben, pour une première, je suis contente. Franchement, ça fera joli dans ton salon. Si tu veux mettre dans ton salon, hein. Je vous embrasse tous et merci encore d'être là. Bisous.